Alors la Fondation Respublica avait déjà, il y a 2 ans, organisé un colloque sur l'extraterritorialité du droit américain. Mais l'affaire de l'Iran, la dénonciation de l'accord de 2015 par les États-Unis et les sanctions qui interviennent pour toutes les entreprises qui s'intéressaient au marché iranien et, d'une manière générale, le but est d'imposer la politique extérieure des États-Unis dans cette région du monde qui est évidemment stratégique pour l'Europe et pour la France, pour notre sécurité, pour notre avenir. Tout cela jette une lumière nouvelle. Donc, à l'initiative de Jean-Michel Quatrepoint, nous avons organisé ce colloque avec les interventions très brillantes que nous avons entendues. Je dirais que l'enjeu politique doit être souligné parce qu'il n'est rien d'autre que la perpétuation de la suprématie américaine au XXIe siècle. C'est le vrai grand programme qui n'est même pas caché du président Trump. C'est la guerre commerciale avec la Chine. C'est la volonté de marginaliser à nouveau l'Iran après les 2 guerres du Golfe qui lui ont donné une certaine prépondérance au Moyen-Orient. Puis enfin, c'est la volonté d'aligner les Européens sur la politique américaine. Donc les Américains ont les outils, ils ont les moyens. La question qui est posée, c'est y a-t-il en Europe une volonté politique de créer une entité stratégique capable d'imposer au moins une concertation entre les États-Unis d'une part et l'Europe de l'autre ?